important pour moi, c'est d'essayer de faire une musique qui soit exigeante, de s'inscrire vraiment dans cette idée de perpétuer une tradition et puis de la pousser plus loin, de pousser vraiment les murs de l'intérieur. Je travaille beaucoup en trio depuis des années avec des compagnons de longue date, qui sont David Gréville à la batterie et Emmanuel Marchès à la contrebasse, qui défendent et partagent les mêmes convictions musicales. Pour ce projet-là, l'idée était d'ajouter un cuivre. Et Sylvain Gontard était un musicien que nous apprécions tous, et ses qualités font que c'est quelqu'un qui peut naviguer dans beaucoup de styles de musique différents. Ce qui me fascine chez Duke Ellington, c'est déjà une force créatrice hors du commun, une capacité à composer, à arranger, à faire vivre un orchestre pendant plus de 50 ans, à toujours réfléchir sur la forme, sur la place que pouvait avoir le jazz dans l'histoire de la musique au XXe siècle, de lui offrir des formes et des cadres différents. Il a écrit pour la scène, il a écrit pour l'église, il a écrit pour la danse, il a écrit pour le film. Il a toujours essayé d'élargir les horizons, de ne pas cantonner le jazz juste à une musique de club. Cette année, c'est le 40e anniversaire de la mort de Duke. Il est mort en mai 1974 et cet album a été enregistré en mai 2014. Donc c'est l'occasion de rendre hommage à sa musique, de dire qu'elle est toujours aussi vivante et qu'elle offre une belle source d'inspiration pour les musiciens de jazz actuels.